sommes à nouveau rassemblés ce soir donc à l'initiative du groupe du Pays de Cornouailles de l'association France-Palestine Solidarité, avec le soutien de nombreuses organisations, pour exprimer notre soutien et notre solidarité aux prisonniers palestiniens en lutte pour le respect de leurs droits et de leur dignité. Mahmoud Sarsak, après avoir appris qu'il serait libéré le 10 juillet, a mis fin à sa grève de la faim au bout de 92 jours. Avant lui, Bilal Diab et Taher Al-Ali ont arrêté leur grève de la faim le 14 mai au bout de 77 jours, après avoir su qu'ils seraient libérés à l'issue de leur détention administrative. Dans les trois cas, les autorités ont accepté de libérer ces prisonniers, sauf dans le cas où une enquête révélerait des éléments nouveaux. Mais comment aurait-il pu y en avoir, puisque ces trois hommes étaient en prison depuis des mois? Cela montre bien que leur détention ne reposait sur aucun fondement et était totalement arbitraire. Aujourd'hui, trois prisonniers en grève de la faim luttent pour leur vie qui est en danger. Akram Rihawi en est aujourd'hui à son 78e jour de grève de la faim, s'il est toujours vivant au moment où je vous parle. Il a été arrêté en 2004 et condamné à une peine de prison de 9 à 12 ans selon les sources. En raison de plusieurs maladies chroniques, il a passé toute sa détention au centre médical de la prison de Ramleh. Il a entamé une grève de la faim le 12 avril pour demander sa libération anticipée pour raisons médicales. Cette libération lui a été refusée à deux reprises. Les services pénitentiaires estiment que sa santé ne le justifie pas quand on est atteint d'autant de maladies, pourtant ça semble urgent. Aujourd'hui, Akram Rihawi est dans un état de santé critique. Il risque une insuffisance cardiaque ou une crise d'asthme fatale à tout moment. Samir El-Bark a participé à la grève de la faim collective du 17 avril au 14 mai. Il a repris sa grève de la faim le 21 mai, quand il a su que sa détention administrative était prolongée en violation de l'accord du 14 mai. Il en est aujourd'hui au 39e jour de grève de la faim. Son état de santé est critique et il a été placé au centre médical de la prison de Ramleh. Un troisième prisonnier a repris sa grève de la faim il y a 8 jours. Il s'agit d'Hassan Safadi, qui a interrompu sa grève de la faim le 14 mai, au bout de 71 jours, dans un état de santé critique. Il s'est remis à la grève de la faim quand il a su que sa détention administrative était prolongée de 6 mois. Il a été mis au secret à la prison de Hadarim. Sa santé est dans un état très critique et sa vie est également en danger. Nous demandons au gouvernement français d'intercéder en urgence auprès des autorités israéliennes pour que ces trois prisonniers soient immédiatement libérés ou pour qu'au moins leur soit promis une libération prochaine pour qu'ils arrêtent leur grève de la faim et pour qu'ils reçoivent dans un hôpital civil les soins médicaux rendus nécessaires par leur état, et cela dans le respect de leur dignité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des prisonniers qui ont fait une grève de la faim pendant 70 jours, 80 jours. Quand on les amène pour quelque temps à l'hôpital, ils sont enchaînés à leur lit. Enfin, c'est une forme d'humiliation particulièrement choquante. C'est arrivé récemment à Akram Rihawi et à Samir El-Bark. Ils ont été transférés pendant quelque temps dans un hôpital civil en Israël. Et dans la mesure où ils restaient enchaînés à leur lit, ils ont refusé d'être soignés dans des conditions totalement humiliantes et dégradantes. Bon, nous saluons également au passage le réserviste israélien Yaniv Mazor, qui a refusé de prendre part à toute activité militaire pour protester contre l'occupation de la Cisjordanie. Il est actuellement détenu dans une prison militaire. Il a été condamné il y a quelques jours. Il sait très bien, il n'a pas été condamné pour une longue peine. Mais quand il ressortira, on va de nouveau le convoquer à l'armée. Et il va de nouveau refuser. Ça dure
des fois pendant des mois et des mois, parce que on peut avoir 6 à 7 condamnations consécutives pour cette raison. Et il a entamé une grève de la faim pour exprimer explicitement sa solidarité avec les prisonniers palestiniens en détention administrative et avec les Palestiniens qui font la grève de la faim. Nous nous élevons aussi contre la violation de plusieurs points de l'accord conclu le 14 mai entre les services secrets israéliens et les représentants des prisonniers politiques palestiniens. Cet accord est intervenu à l'issue d'une grève de la faim menée par plus de 2000 des 4700 prisonniers détenus en Israël, au mépris de la 4e Convention de Genève, qui interdit de les déporter hors de leur territoire d'origine pour être détenus. Il s'est agi, dans ce cas de grève massive, d'une action non violente déterminée qu'il convient de saluer ici ce soir. L'accord prévoit, cet accord du 14 mai prévoit que pour les 220 prisonniers concernés, la détention administrative, c'est-à-dire une détention sans inculpation ni jugement, pour des périodes en général de 6 mois, indéfiniment renouvelables, donc que cette détention administrative ne serait plus renouvelée ou prolongée et qu'il n'y aurait pas de nouveaux prisonniers placés en détention administrative. Or, depuis le 14 mai, une trentaine de prisonniers, dont Samir Al-Bark et Hassan Safadi, se sont vus renouveler leur ordre de détention administrative et de nouveaux prisonniers ont été placés en détention administrative. L'accord prévoyait que les 19 prisonniers placés en isolement prolongé, ce qui est une forme de torture, soient remis dans les 72 heures parmi les autres prisonniers. Or, un prisonnier, Dirar Abou Sissi, est toujours détenu en isolement prolongé et d'autres prisonniers ont été mis aussi en isolement. L'accord prévoit que les visites familiales soient rétablies dans un délai d'un mois pour les prisonniers originaires de Gaza ou pour certains prisonniers originaires de Cisjordanie pour des raisons soi-disant de sécurité. Mais enfin, en Israël, on justifie tout pour des raisons de sécurité. Il faut rappeler que ces prisonniers originaires de Gaza n'ont pas eu de visite familiale depuis 2007. Le délai d'un mois est passé depuis 2 semaines et les visites familiales ne sont toujours pas rétablies pour les prisonniers originaires de Gaza. Enfin, la prolongation de la détention administrative de Hassan Safadi fait craindre que la promesse faite le 14 mai de libérer 5 prisonniers en grève de la faim de longue durée, donc il y en avait 2 qui ont fait 77 jours de grève de la faim, et d'autres qui étaient également, 5 autres, qui étaient en grève de la faim de longue durée, dont Hassan Safadi. Donc il est à craindre que pour les 4 autres, la promesse de libération ne soit pas non plus respectée. Bon, c'est pas la première fois qu'on a ainsi des accords entre les autorités israéliennes et les prisonniers, et des accords qui ne sont pas respectés. Bon, c'est pourquoi nous demandons à nouveau au gouvernement français d'intervenir auprès du gouvernement israélien pour que la détention administrative soit définitivement abolie par Israël. Bon, également, demande que les détenus administratifs soient immédiatement et inconditionnellement libérés, à moins d'être jugés de façon équitable pour des faits précis et des faits rendus publics. Parce que là, c'est le régime du secret. Même les avocats ne savent pas les raisons qui ont amené tel ou tel prisonnier palestinien à être placé en détention administrative. C'est l'arbitraire total. Bon, également, nous demandons que les visites familiales soient rétablies sans aucun délai pour tous les prisonniers palestiniens, qu'ils soient originaires de Gaza ou de Cisjordanie. Nous demandons enfin que les conditions de vie quotidiennes des prisonniers, notamment celles qui sont absolument abominables, des enfants de 12 à 18 ans au sens de la Convention universelle des droits de l'enfant, hein, mais en Israël, enfin les enfants palestiniens peuvent être emprisonnés en Israël à partir de 12 ans. Et il y a même des enfants parfois plus jeunes qui sont arrêtés pendant quelques heures, même s'ils ne sont pas
en fait emprisonnés par la suite. Donc nous demandons que ces conditions de vie soient effectivement améliorées pour être mises en conformité avec les normes juridiques internationales pour le traitement des prisonniers telles qu'elles ont été définies en 1955. Alors je parle également des enfants. Il faut savoir qu'il y a eu récemment une commission d'enquête britannique qui s'est rendue en Palestine, en Israël, pour enquêter sur le sort des enfants prisonniers, et que cette commission d'enquête a été financée par les autorités britanniques. Donc il serait peut-être temps qu'en France on fasse au moins la même chose, hein. Et je pense qu'il faudra s'y employer dans les mois à venir. Bon, je vous remercie.